Nous poursuivons notre parcours au sein de l'Évangile selon Matthieu avec les enfants de l'école biblique. Nous avions abordé précédemment la prédication de Jésus sur une colline de Galilée. Et après cet enseignement dispensé à la foule qui l'entoure, il est raconté que Jésus procède à de nombreuses guérisons. Et j'ai retenu parmi toutes ces guérisons celle qui est racontée au chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon enfant est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit « Seigneur, « je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car je suis un homme soumis à une autorité, j'ai des soldats sous moi, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion, « Va, et il te sera fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Seigneur, éclaire-nous par la vérité, cette vérité à laquelle tu nous appelles. Amen. Avant d'essayer de faire vibrer ces paroles rapportées par l'évangéliste Matthieu, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, le petit livre bleu. Nous chanterons au cantique 230, les strophes 1, 3 et 4 du cantique 230. Levons-nous pour chanter. Sous
Éternel notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne une parole qui nous aide à mieux comprendre notre vie et à mieux te comprendre. Chers frères et sœurs, le moins que l'on puisse dire est que l'ego n'a pas très bonne presse. L'ego, c'est ce terme grec qui désigne moi, je. Et ce terme, l'ego, est assez mal perçu, notamment en christianisme, parce qu'il a tendance, évidemment, vous pouvez le pressentir, il a tendance à nous faire aller vers l'égocentrisme. L'égocentrisme qui consiste à tout rapporter à soi, à faire tourner le monde autour de notre personne, comme si nous étions en quelque sorte le nombril de ce monde. Et en faisant un petit pas de plus, on passe souvent rapidement de l'égocentrisme à l'égoïsme. L'égoïsme qui est radicalement à l'opposé de ce qui constitue le cœur de la foi chrétienne, à savoir évidemment l'amour du prochain. L'égoïste, c'est celui qui s'aime, point. L'égoïsme pose de sérieux problèmes aux chrétiens, moins parce que c'est une manière de vivre qui ne met pas en pratique le commandement de l'amour, que parce qu'il s'oppose assez nettement à la vision biblique de l'homme et de la vie en société. L'égoïsme pose problème aux chrétiens parce que c'est une manière de nier qu'il y a quelque chose au moins d'aussi intéressant que moi autour de moi. C'est ce que l'écrivain Erich Emmanuel Schmidt présentait dans son livre « La secte des égoïstes ». On appelle égoïste l'homme qui se croit seul au monde, le reste n'étant que songe. Eh bien, dans une certaine mesure, le problème de l'égoïsme, c'est que ça rend le reste du monde invisible, inconsistant, comme une sorte de buée, finalement. Et nous pourrions dire en une formule qui permet de stigmatiser, par exemple, les personnes un peu égoïstes au volant de leur voiture, « Je m'appelle Cunégonde et je suis seul au monde. » Ce sont ces personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'autre véhicule que le leur sur la chaussée. Ce sont les personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas besoin de mettre de clignotants pour déboîter
qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter au passage piéton quand quelqu'un est sur le bord du trottoir, pas la peine de baisser les pleins phares lorsqu'on croise une voiture en pleine nuit sur la route. Je m'appelle Cunégonde et je suis seul au monde. Le problème de l'égoïsme n'est donc pas tant l'absence de l'amour du prochain que l'absence même de considération pour le prochain. C'est-à-dire que cela revient en quelque sorte à ne même pas considérer qu'il y a quelque chose au bout de mon nez, au bout de mon doigt. Les autres ne sont même pas quantité négligeable. Alors je disais que l'ego n'a pas bonne presse, et il suffit pour cela d'ouvrir le Nouvel Observateur de cette semaine. Un article lui est consacré sous le titre « Le grand show du tout à l'ego ». Et l'analyse montre que la dérive égocentrique que nous connaissons avec les nouvelles technologies de l'information, les petites choses que vous utilisez, les Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux, font finalement que l'on pose l'ego, c'est-à-dire moi, je, ma personnalité, mon caractère, mon existence, comme l'argument ultime de toute vie et de toute chose. Et l'une de nos boursières du fonds Ricoeur, Éléonore Dispersine, interrogée dans cet article, a raison de relever que dans ces conditions, tout le monde est légitime pour parler de tout, il suffit de passer par soi. Éventuellement, on rajoute la petite mention « vue sur Wikipédia ». Mais il y a quelque chose d'assez fou à considérer que Wikipédia, par exemple, a la même autorité scientifique que l'Encyclopédie Universalis. Non pas que vous soyez de mauvais contributeurs les uns et les autres, mais que votre formation, quand même, ne vous met pas à la hauteur de ceux qui, après quelques titres universitaires, peuvent effectivement se targuer d'avoir sérieusement étudié le problème traité. Il y a une sorte de tyrannie de l'ego, dans la mesure où le seul critère que nous ferions valoir pour déterminer ce qui est bon, ce qui est adéquat, ce serait l'ego, moi. Moi comme mesure de toute chose. Ce que je pense, ce que j'en dis, sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Alors probablement, est-ce pour se prémunir, de ces dérives égoïstes que les chrétiens et bien des sagesses se sont efforcés de neutraliser l'ego, de l'affadir, voire de le disqualifier, en en faisant une instance de vanité. On a prêché l'abandon de soi, on a parfois prêché la négation de soi au profit de l'autre, au profit du divin, en vertu du fait que Dieu serait tout et que moi, je ne serais rien. Un véritable retour de balancier. Il y a peut-être une voie médiane entre l'égoïsme et l'absence absolue d'ego. Et il me semble que Jésus, précisément, nous place dans une perspective médiane. Il me semble que cet épisode biblique est assez emblématique d'une attitude qui valorise l'ego des individus, qui montre de quelle manière l'ego peut être quelque chose de tout à fait intéressant, précieux et à entretenir. Encore faut-il voir comment et pourquoi. Ce qui frappe dans ce passage, c'est ce qui a frappé Jésus finalement. C'est que Jésus est étonné de la foi qu'il constate chez ce centurion, chez ce soldat romain, chez cet étranger, chez cet homme qui n'avait pas suivi le catéchisme à l'oratoire du Louvre. Jésus dit de cet homme qu'il a une foi grande comme il n'en a jamais vu, même en Israël, qui est pourtant à la foi en l'éternel ce que l'oratoire est au protestantisme. Alors qu'est-ce qui permet à Jésus de porter un tel jugement sur cet homme ? On pourrait considérer que c'est la situation initiale de l'homme qui en fait un sujet d'admiration pour Jésus. Cet homme a chez lui un enfant qui est paralysé et il intercède auprès de Jésus pour qu'il le guérisse. Et on pourrait se dire,
C'est cette demande adressée à Jésus qui atteste sa grande foi. Mais quand cette demande est formulée, Jésus se contente de lui dire « Très bien, j'irai chez toi et je le guérirai ». Ce n'est pas à ce moment-là qu'il relève que cet homme est nourri d'une foi admirable. Ce n'est pas non plus après que le centurion lui a dit qu'il se considérait comme incapable de recevoir Jésus chez lui. C'est le terme grec exact, incapable plutôt qu'indigne. Ce n'est pas parce qu'il fait preuve d'une humilité qui le conduit à exprimer à Jésus qu'il n'est pas en mesure de pouvoir le recevoir chez lui, tant Jésus est important par rapport à lui qui serait misérable. Ce n'est pas à ce moment-là que Jésus reconnaît chez cet homme une foi admirable. C'est après qu'il a confessé qu'il est un homme soumis à une autorité et qu'il a lui-même une parole qui est accomplie par ses subalternes que Jésus pose ce diagnostic de la grande foi. Littéralement, l'homme lui a dit « Car moi, ego, je suis un homme sous une autorité, ayant sous moi des soldats. » Deux fois le « moi » qui est en jeu dans cette phrase. Si le centurion s'était contenté de dire « Je ne suis pas capable de te recevoir chez moi », il n'aurait pas fait mieux que Jean-Baptiste qui, un peu plus tôt dans l'Évangile selon Matthieu, avait dit « Je ne suis pas capable de porter ses sandales au sujet de Jésus » et qui avait lui-même continué par l'expression de sa foi en Jésus. Deux formules jumelles où le terme « ego » n'apparaît pas. Ce qui fait la différence, de mon point de vue, c'est que le centurion se présente comme un « ego », comme un « moi », comme un « je » qui s'affirme. Un « ego » sous une autorité, ayant lui-même des personnes sous son « ego ». La langue grecque n'a pas besoin du pronom personnel « je » pour dire « je suis ». Il suffit de dire « eimi » pour affirmer « je suis ». Quand on dit « ego eimi », c'est une façon de s'exprimer que l'on pourrait traduire par « moi, je suis ». Il y a une sorte d'emphase. On insiste sur soi, sur notre présence au monde. Et il apparaît dans la dynamique de ce texte que c'est cela qui ravit Jésus. L'homme qui se tient face à lui est doté d'un ego qui s'affirme. Et cela convient à Jésus. Nous constatons que cela lui convient d'autant mieux qu'il dira finalement au centurion qu'il lui sera fait selon ce qu'il a cru, selon sa foi, et non selon la foi en général. Non selon la doctrine officielle. Le malheur de l'enfant se dénoue grâce à la foi de cet individu et non de la religion officielle dans laquelle tant de personnes tentent de se couler jusqu'à y être parfois engoncées et paralysées. Jésus, me semble-t-il, valorise l'ego de cet homme qui rend sa foi admirable. Mais encore faut-il préciser un peu mieux en quoi consiste cet ego. En effet, cet ego, ce jeu, cette façon d'être un jeu, n'est pas semblable à ce que nous avons mis à l'index un peu plus tôt et qui confinait à l'égoïsme. Ici, l'ego du centurion ne fait pas de lui un être seul au monde. Il se sait en relation avec d'autres que lui, et tout spécialement cet enfant pour lequel il intercède auprès de Jésus. Cet enfant pour lequel il vient demander de l'aide afin qu'il soit guéri de ce qui le tourmente, ce qui fait qu'il mesure bien qu'il ne peut pas s'en sortir seul. C'est donc un ego qui est en interaction avec son environnement, avec la société au sein de laquelle il occupe une place singulière, et en harmonie avec ceux qui l'entourent. Ce n'est pas un jeu qui est contre les autres, c'est un jeu qui est avec les autres, voire pour les autres. J'ajoute que c'est un ego qui est humble, qui fait preuve d'humilité, qui reconnaît donc ses limites, son incapacité à recevoir le Christ chez lui par exemple,
ce qui est souvent traduit à juste titre finalement par le fait qu'il se sent indigne. Et l'humilité de cet ego fait qu'il sait qu'il a besoin du Christ pour arranger la situation de l'enfant. Il sait qu'il ne peut donc pas résoudre seul le problème auquel il est affronté avec l'enfant. L'ego de cet homme n'est pas hypertrophié. C'est un ego fort, affirmé, mais qui connaît ses limites. Ce centurion sait que son ego s'arrête là où commence l'ego de l'autre. C'est une manière de reconnaître qu'au bout de mon ego, au bout de moi, au bout de mon je, J-E, il y a un tu, le tu de l'autre. Jésus, me semble-t-il, trouve là la foi de cet homme remarquable, car la foi est servie par un ego qui n'est pas atrophié non plus, mais qui permet d'établir une relation je-tu. Une relation je-tu qui permet à la transcendance de s'exprimer. Car évidemment, l'enjeu de ce texte, c'est quand même l'état de l'enfant. Avant même de savoir s'il y a une polémique entre ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en extérieur, ceux qui sont de l'oratoire du Louvre, ceux qui n'y sont pas, etc. Le véritable enjeu, c'est la santé de l'enfant. Ce qui mobilise l'attention de Jésus, c'est la santé de l'enfant, de la même manière que ce qui mobilise l'attention du centurion, c'est la santé de l'enfant. Un enfant qui va être libéré de sa paralysie et de sa souffrance. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il me semble, chers catéchumènes, que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre parfaitement. Car vous êtes dans la force de l'âge, de cet âge ingrat, où vous construisez votre identité, votre ego, rien de moins. Et pour devenir un adulte à part entière, vous êtes dans cette phase où vous construisez votre personnalité. Et pour cela, il faut forger son ego pour sortir de l'état d'enfance, qui est un état où vous êtes finalement assez dépendant, notamment dépendant des parents. En quelque sorte, on pourrait dire paralysé. Vous êtes dans la situation de cet enfant qui ne peut pas bouger seul et qui va devoir pourtant acquérir une forme d'autonomie s'il veut être adulte au sens plein du terme. Alors pour construire votre ego, il y a globalement deux manières de faire. La première consiste à construire notre ego contre d'autres égos, par exemple en crucifiant vos parents. C'est-à-dire en vous démarquant de tout ce qu'ils représentent pour vous, en cassant le modèle qu'ils forment à vos yeux et en leur faisant comprendre que ce sont de vieux adultes. Soit vous construisez votre ego en coopération avec d'autres égos, en vous frottant à vos parents, d'accord, à tous les adultes qui vous passent sous la main, à vrai dire, mais aussi en profitant des stimulations des égos que vous rencontrez et par lesquels vous vous enrichissez. Et évidemment, vous comprendrez avec l'ensemble des parents qui sont là que nous préférons la deuxième manière. Elle est un peu plus douce pour nous. Elle a aussi l'avantage de ne pas vous jeter dans le corps de l'adolescent qui deviendra l'adulte individualiste, égoïste, qui pense s'être construit seul, sans les autres, à la force du poignet, et n'avoir donc rien à devoir à quiconque. Alors pourquoi faut-il coopérer avec des égos forts ? Pourquoi est-ce qu'un égo fort, puissant, affirmé, est quelque chose de positif ? Eh bien, je crois que nous pouvons prendre l'exemple du tennis. Le tennis qui est un lieu d'observation théologique tout à fait intéressant. Car c'est à la condition de jouer avec un tennisman expérimenté que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même. S'il ne parvient pas à vous renvoyer la balle ou la renvoie mollement, vous ne pourrez ni progresser, ni exprimer tout ce dont vous êtes capable sur le terrain. Souvenez-vous du match entre Ivan Lendl et Michael Chang. Vous étiez à peine né, c'était à Roland-Garros. Michael Chang était à bout de souffle, cuit.
Et ce qu'il a fait, c'est de renvoyer les balles mollement. Mais vraiment mollement. C'était honteux. Il a même servi à la cuillère. À Roland-Garros. Et il a bien sûr remporté le match contre Ivan Lendl, numéro 1 mondial. Ça, c'est moche. C'est moche, mais voilà ce qui se passe quand on est face à quelqu'un qui n'est qu'une demi-mesure. C'est qu'on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. On est contraint à soi-même diminuer son niveau d'existence. Du coup, un ego fort, un ego puissant, un ego affirmé est quelque chose qui nous permet de progresser, de nous élever. Vous ne pourrez déployer votre jeu qu'à la condition que vous soyez en mesure de transcender votre jeu. Et cela, c'est votre partenaire qui vous le permet. Il en va de même dans la relation que vos parents s'efforcent d'entretenir avec vous. Leur ego s'efforce de résister tant bien que mal à vos assauts impétueux et parfois impertinents pour vous permettre d'atteindre des sommets d'humanité. Pour que vous forgiez votre propre ego au contact de ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et voilà pourquoi vos parents sont un peu insistants parfois sur certaines activités. Le catéchisme, la visite des musées, quelques concerts un peu baroques, les langues anciennes, la scolarité en général, la lecture, mais aussi la courtoisie, et tout ce qui, à vrai dire, fait la vie d'un honnête homme, d'une honnête femme. Pour transcender votre ego encore tout petit, qui ne vous rend pas encore capable de mener seul votre propre vie, vous êtes encore comme paralysé dans l'impossibilité de payer votre propre logement, d'aller au bout où on vous semble, de vivre l'intégralité de vos rêves, ce qui parfois est une cause de souffrance pour vous. Vous avez besoin pour cela, pour que ça s'arrange, d'un vis-à-vis. Comme tout homme, à vrai dire. Les adultes aussi ont besoin de vis-à-vis pour continuer à s'humaniser. Vous avez besoin d'un vis-à-vis comme tout homme, comme tout Adam, qui ne peut vivre seul, sauf à se contenter d'un tout petit ego, et donc d'une toute petite vie. Il nous faut un vis-à-vis à la hauteur, un « tu » qui pourra donner à notre jeu toute sa mesure. C'est la raison pour laquelle il est raconté que l'Éternel présenta un vis-à-vis à Adam, l'homme, un « tu » capable de lui procurer la vie, d'où son nom hébreu, « Raya », qui signifie « la vie » plutôt que « Ève ». C'est le « tu ». L'autre qui me fait vivre. C'est moi, là, actuellement, qui vous donne de la chair et de l'existence, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je vous dis. Mais au moins, ça vous fait réagir, peut-être un peu. Ça vous fait vivre, exister. Jésus révèle au centurion qu'il peut, lui aussi, être un « tu » qui permettra à l'enfant de devenir un « je », de pouvoir affirmer son ego, de cesser d'être paralysé et souffrant. Le centurion se révèle comme capable de libérer l'enfant d'une vie soumise qui n'est que l'ombre de la vie, bien évidemment. Jésus révèle au centurion qu'il est capable, digne en réalité, de transcender l'existence de l'enfant et d'en faire un homme, un vrai. Non pas parce qu'il aurait soudainement une bonne santé, des bons muscles, un cerveau bien fichu, mais parce que la parole qui va lui être adressée va faire de lui un ego. Il va en faire un individu en relation avec d'autres individus, ce qu'il convient d'appeler une personne. Peu importe que vous deveniez un homme ou une femme, à vrai dire. Ce qui compte, c'est que vous deveniez une personne. Quelqu'un qui se sait au bénéfice d'autres personnes et qui, en même temps, est capable de transcender la vie de ceux qui sont autour de lui. Voilà pourquoi je vous exhorte à ne pas préférer les amis qui sont toujours d'accord avec vous, qui vous trouvent toujours magnifique en tout point de vue, qui vous caressent dans le sens du poil.
systématiquement. Car, à vrai dire, vous n'avez pas besoin d'ectoplasme pour sortir de la léthargie de l'enfance. Vous avez besoin d'égo puissant. Vous avez besoin d'adultes responsables qui affirment leurs convictions et qui peut-être vous font mener la vie dure, mais qui vous font aussi découvrir la force de l'être. Amen.